Proustien, il faut savoir qu'elle est créée depuis 2012. À la base, c'était juste la mise en place d'actions autour de la danse hip-hop, donc des ateliers de danse et des petites compétitions. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que bah, c'était quand même un moyen d'expression pour les jeunes, de pouvoir déjà se retrouver tous ensemble. Du coup, nous, ça nous a motivés à faire grossir nos actions, notamment sur un événement international, avec la mise en place d'ateliers, mais aussi de travail avec d'autres intervenants sur toute la région, afin que les jeunes puissent découvrir d'autres méthodes. La rencontre entre jeunes, pas forcément des mêmes quartiers, et même pas des mêmes villes, de la même nationalité, donc du coup, ça fait aussi une ouverture d'esprit pour nos jeunes. Le projet CGS a permis quand même de regrouper des 16-18 ans qui n'ont pas la possibilité de travailler sur un statut légal puisqu'ils sont encore mineurs. Il est quand même difficile de trouver un job d'été quand on est sur cette tranche d'âge-là. Les animateurs, ils ont quand même réussi à rencontrer 100 jeunes sur le territoire. Sur les 111, il y en a quand même 30 qui étaient intéressés par cette dimension de « je vais pouvoir faire quelque chose cet été et à la fin, j'aurai un peu d'argent de poche hein, puisque c'est une coopérative de jeunes de service qui permet l'entrepreneuriat coopératif. Donc on est vraiment sur des valeurs d'économie sociale et solidaire. Et 15 ont été là tout l'été. Donc à la fin, il en restait 13. Donc ça prouve que ça a bien fonctionné puisqu'ils ont été pratiquement quasi-totalité du début à la fin. Puis ils ont fait des choses autour des actions solidaires, l'autofinancement et des travaux que la ville leur a proposé de réaliser. Et puis au bout de 2 mois, ils ont partagé les bénéfices. Donc ils ont dû aussi se monter en conseil d'administration, élire un président, comment on répartit l'argent. Donc il y a plein d'autres choses. Une montée en compétences et des choses qui vont leur servir dans leur CV par la suite pour accéder à un premier job d'été. Pas qu'on ait forcément d'image par rapport à un autre quartier, justement juger les quartiers en QPV comme tout autre quartier, ça serait déjà pas mal. Donc oublier qu'il y a certaines difficultés dans ces quartiers et oublier que c'est concrètement un quartier en difficulté quoi, ça serait pas mal parce que mis à part ces difficultés, il y aurait pas mal des habitants qui ont une facilité de vie comme dans tout autre endroit. Donc c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. La maison des projets, moi et les habitants, on a été premiers à ouvrir le lieu, donc on l'a nous-mêmes aménagé avec des matériaux en bois que la mairie nous avait fournis. Donc on a fait des ateliers bricolage entre guillemets, et tout ce que vous pouvez voir à l'intérieur, c'est les habitants eux-mêmes qui les ont fait. Donc il faut se dire qu'ils se sont appropriés le lieu. Ils s'y sentent chez eux assez facilement puisque ça va faire 3 ans qu'ils y passent tous les jours, où ils y font des ateliers sur le renouvellement urbain ou autre. Et là aussi on fait du lien social, oui bien sûr. Je faisais en sorte de mobiliser beaucoup d'habitants justement pour qu'il y ait des rencontres et qu'on puisse créer du lien et aussi lutter contre l'isolement. Avant qu'on travaille, avant qu'on ouvre la maison du projet, il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient enfermées un peu chez elles. Au contraire, c'est comme ça. Je suis allée.
Je travaille dans les services promotion de la santé. En fait, je travaille sur le quartier politique de la ville. En fait, mes missions, en fait, d'être les liens entre les habitants et qui sont un peu éloignés du système de santé et les structures, en fait, ou l'organisme, mais soit le santé, soit social. Comme je disais, en fait, on travaille en partenariat avec le CEPAM. Donc, on a mis en place un bilan santé, c'est-à-dire c'est un bilan santé pour les habitants des quartiers et qui, en fait, profitent de faire un bilan santé avec l'Institut Pasteur. Donc, ils ont passé, en fait, les bilans santé. Après le bilan santé, on a, en fait, les temps d'éducation à la santé selon, en fait, les besoins des habitants. Par exemple, l'atelier d'aujourd'hui, c'était sur la santé de dos, parce qu'ils nous parlaient comme quoi il y a un problème de dos, il y a des soucis, voilà, santé comme ça par rapport au dos. Donc, avec le CEPAM, on a mis en place un atelier post-bilan, ça veut dire après le bilan santé, avec en fait intervenante qui fait en fait des ateliers sur la santé de dos. Donc, avant, en fait, on parlait comme quoi, qui va venir, c'est les gens qui ont profité du bilan. On a des personnes âgées, on a des femmes enceintes, les habitants du quartier, quoi. Que je suis un relais avec les habitants qui sont tout autour et les élus, les bailleurs, le préfet, le sous-préfet, enfin, etc. Je suis un relais. Je suis la personne qui, donc un membre, hein, parce que je ne suis pas la seule. Nous sommes actuellement 5 dans le conseil de Chantier-Cévennes. Et on est tous comme... Mais on a des personnalités différentes. Ce qui fait qu'il y en a qui sont plus dans le faire. Moi, je suis dans l'être un peu. Et je pense que c'est ça. Mon rôle à moi, c'est ça. C'est d'être ce relais. D'entendre, d'écouter et de retransmettre. Ce qui fait que je n'hésite pas à lever mon doigt, à ouvrir le micro, à me présenter et à dire ce que je pense. Frichement Votre a débuté au départ il y a 2 ans initialement. On voulait travailler en fait sur le quartier, c'était le centre social Arras Sud qui voulait vraiment investir en fait et créer une petite dynamique. Et ensuite effectivement il y avait des projets, enfin il y avait des friches au nombre de 4. Ouais. Comment ? À reconditionner. Oui, tout à fait. Avec de gros dépôts sauvages pour certaines. Et du coup, on a voulu, avec le centre social, effectivement, changer en fait, cet aspect, l'image du quartier. Donc, par exemple, sur la rue des Coccinelles, c'était le plus gros défi sur Jean Jaurès. On avait fait déjà un temps fort l'an dernier pour une opération grand nettoyage. Il y avait encore énormément de déchets encore par la suite. Et du coup, là, en fait, on a baissé de plus de 90% en fait, la quantité de déchets en fait, sur place. Et à l'heure actuelle, on tourne à quelques canettes dans la semaine, sur une semaine, ce qui veut dire quasiment rien du tout. Donc le défi était plutôt bien relevé en fait, à ce niveau-là. On a découvert que des enfants des quartiers, après, découvrent dans les plantations qui sont faites d'autres choses que ce qu'ils ont traditionnellement en vue dans, tu prenais
prenez l'exemple des tomates vertes, qui pour eux, c'est pas une tomate mûre, quoi. Alors qu'en fait, c'est la nature même. Ils ont découvert les tomates vertes. Et du coup, les laisser en fait sur les carrés potagers et les ont trouvées même meilleures que les tomates rouges. Été accompagnée par le centre socio-culturel d'Achicourt ou même par Initiative Grand Arras avec Stéphane Effoua, je pense que j'en serais pas là. Je serais peut-être juste à me renseigner, mais sans plus, ou alors je me serais lancée tête baissée sans vraiment avoir conscience de ce qu'il y avait derrière, toutes les implications et tout. Déjà, ça m'a permis de donner confiance en moi. Parce que ce que je faisais, mes grands-parents me disent que je le fais bien, etc. Mon fiancé, c'est pareil. Mais je me suis toujours dit que ce n'est pas forcément très objectif. Ça m'a permis en fait, de pouvoir le montrer à des gens extérieurs qui, eux, ont l'habitude de ce genre de projet, ou même pas forcément dans la couture, mais qui ont l'habitude de jeunes qui veulent monter des projets et qui, du coup, peuvent dire tout de suite « oui, c'est réalisable, non, c'est pas réalisable ». Et en fait, ça a plu et depuis, ils me poussent en ce sens. Donc, du coup, ça me donne confiance en moi.